Allez go, c'est parti, bienvenue sur le jeu Gladiators Survival in Rome. Alors, on va aujourd'hui aller vérifier deux, trois petites choses. Déjà, on va continuer le péage qui est à 4 sur 6. Donc, on va faire de la construction. Puisqu'il faut construire un chevalet de sciage et construire un billot de fendage. Tout ça pour régaler notre ami le marchand. Et voilà, et se faire des pièces. En attendant, je me suis rendu compte qu'il y avait un onglet quête. Donc effectivement, on se rend compte que on va pouvoir gagner des fameux cristals là, violets. Et nous avons des quêtes annexes avec la grotte mystérieuse. Et ensuite, nous avons. Ouais, là c'est pour voilà, explorer la cave. Ok. Enfin, explorer the cave. Explore the cave. Explore la grotte. The cave en anglais, c'est la grotte. On va activer cette quête, mais bien sûr qu'on va l'activer. Parce que moi, j'adore les grottes. Je suis un fan des grottes, je suis un fan de l'exploration. Donc ça tombe très très bien. En attendant, il nous faut on va construire ça. Ah ouais, mais c'est stylé en plus. Alors attendez, attendez, comment ça fonctionne? Ah non, c'est moi qui le fais bouger avec ça. Ok, c'est original. Alors, il faut que je le mette. Alors, où est-ce que je vais le mettre? C'est un petit. Bon, à mon avis, je vais mettre là, hein, tout simplement, hein, en extérieur. Je pense qu'on est bien là. J'espère que ça gêne rien. Ok. Et on va aussi faire le billot de fendage. Mais je crois qu'on peut tout construire, c'est ça qui m'étonne. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on a tout débloqué? Bah c'est plutôt cool en fait. Je voudrais pas bloquer ça là-bas, mais faites voir, est-ce que ça va? C'est parfait, on va mettre les deux côte à côte. Voilà, faites voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc on a ceci. Permet de scier du bois. Allez, on va construire. Et on a un petit level up en même temps. Chevalier de sillage à l'arrêt. Alors. Planche brute. Ok. Donc. Alors, on peut faire des billots. Ok, on peut faire des billots ou des planches brutes. Alors, faites voir à côté. Ça nous sert à quoi? Ça permet de fondre du bois. D'accord. Donc faut qu'on trouve des matériaux. Alors, notre ami, je crois qu'il voulait justement des planches. Qu'est-ce qu'il voulait? Voilà, il veut essentiellement des planches. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Des planches et des billots de bois. Bon, ben, ou des bûches fondues. Ouais, alors vraiment, là, il joue un peu sur les mots. Ok, on va faire ça. Il me faut du bois. Donc pour ça, il va falloir que. Ouais, je crois qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Je vais essentiellement essayer d'aller choper du bois. Je regarde s'il n'y en a pas là. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Là, j'ai pas envie de taper, c'est de la pierre et je vais pas gâcher mon énergie pour l'instant. Peut-être ça. Ouais, ça va me donner un petit peu de bois. Est-ce que ça va m'en donner, je pense. Voilà, ceci aussi peut-être. Et puis au moins, là, je ne pense pas. Ici, je pense qu'on ne peut pas non plus. Du coup, est-ce qu'on peut faire ça? Non, parce qu'il faut. Alors attendez, il faut. Ok, il faut déjà. Alors, on peut faire des billots. Alors, est-ce qu'on fait des billots ou est-ce qu'on fait des. Alors, on va faire des billots déjà. Ah, mais tout nous coûte de l'énergie en fait. Bon, là, on est sur la construction. Hein. On va continuer sur la construction. J'ai l'impression que ceci. Ah, il en faut deux. Il en faut deux. Est-ce que je peux en refaire? Oui, je peux en refaire. Je peux en refaire, donc on va en refaire. Là, on est sur vraiment, on est vraiment sur la construction pure. Alors, on va construire le billot de fondage. Allez. Alors, à l'arrêt.
J'ai débloqué une quête, j'ai l'impression. Alors avec ça, d'accord, on peut prendre, on peut découper. Oh, ok, on a du bois de chauffage et des coins. D'accord. Et on peut améliorer également, hein. On peut améliorer avec des pièces. Ok, je comprenais pas. Elles servent à ça, ces pièces. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Je vois qu'il y a une quête qui est apparue, j'ai l'impression. Donc, ok. Vendre des objets contre de l'or. D'accord. On peut activer la quête. Mais même pas parce que vous savez ce que j'ai envie de faire. Alors attendez, moi j'ai vraiment envie d'aller voir cette grotte mystérieuse. De toute façon, je crois que j'ai rien. Donc il faut que j'aille couper du bois. Donc on va aller faire la grotte mystérieuse et on va essayer de couper du bois. Du coup, on va changer de quête. Je vais me mettre en quête annexe. Je vais activer celle-là plus tôt. Et on va aller de ce pas. J'ai de la nourriture, j'ai de tout. Est-ce que je peux couper ça? Non. Allez, attendez. Voilà, mais on va couper, hein. Parce que le bois, il va m'en falloir. On va aller immédiatement voir cette grotte mystérieuse. Alors, j'ai quand même pas mal de nourriture sur moi. On va essayer de voir s'il n'y a pas. Je crois qu'il y a des lapins qui spawnent un petit peu de temps en temps. On a des petites choses, donc il faut bien regarder, il faut bien vérifier. Alors, bah on est là, on va couper, hein, moi. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est qu'après, au niveau de la grotte mystérieuse, il va nous faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Titus, je commence à désespérer. Peux-tu marcher? Prisonnier, j'ai réussi à m'échapper, je vais bien, mais les autres ont eu moins de chance. Ainsi, il y a d'autres survivants. Alors, je n'aurai pas de repos tant que tous nos amis ne seront pas libres. Nous avons réussi à récupérer notre villa. Viens, tu y seras en sécurité. Bon, voilà, bon, bah, c'est parfait, il est parti à la villa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller visiter, donc je pense, cette fameuse grotte. Alors, attendez, est-ce que là, il y a un truc? Ah mais là il faut l'aider là. Dégager l'éboulement. D'accord. Donc là il faut des. Ah ouais mais là je peux pas. Ok. Bon pour l'instant on va aller visiter cette fameuse grotte. On ira délivrer ce petit. Alors c'est sympa. C'est quand même plein 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 de petites quêtes. Donc c'est finalement c'est la grotte qu'on avait commencé. Hein. On avait commencé cette grotte. Donc on continue, on a fait un peu de construction, on fait de la grotte. Alors attendez, parce que là, une petite seconde. Alors on est donc dans un endroit très très sombre. Alors lui il me dit d'aller par là, mais je suis désolé, mais non. Là on est pas mal. On va commencer à manger. Ouais, mais un steak. Regardez tout ce que ça me donne en. Mais c'est parfait ça. Là, on va pouvoir vraiment continuer. Là, je crois qu'il n'y avait rien. Donc ici, on va pouvoir avancer au niveau de l'exploration. Là, ça nous permet de réparer les outils, mais on n'en a pas vraiment, vraiment, vraiment besoin. Là, est-ce qu'on a besoin de débarrasser ça? Je ne sais pas. Je pense que là, oui. Mais est-ce que ça nous amène dans un endroit intéressant? Je ne sais pas trop non plus. Alors, on a à droite ou à gauche? Allez, on va commencer par là. Et on va voir où ça nous mène. Ah, ça nous donne du bois, de la pierre, non, c'est sympa. Par contre, là. Bon, je vois un petit coffre derrière. Ah, bien sûr, on est bloqué. Ah non, on n'est pas bloqué. Ok. Est-ce qu'on peut passer? Oui, j'ai l'impression, mais. Bon, pour l'instant, je continue. Hein. Sachant que derrière. Oula, sympa ça. Ouais, sympa. C'est juste un champignon en fait.
Ah, alors attendez, parce que est-ce que ça vaut le coup que je pète ça? On va voir. Je vais essayer de dégager ça. Et ça. Ah, j'ai bien conscience que voilà, j'ai repris un petit peu de. Ah là là. C'est des coquins, hein? Ils nous font dépenser notre énergie, mais alors à foison. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On va trouver une petite pierre, deux petites pierres, et là. Bon, plein de champignons. Oh là 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 là, mais c'est là, c'est. Alors, moi, j'ai presque envie, alors avant d'aller explorer, tout explorer de ce côté-là, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que, est-ce qu'on pouvait avancer par là? Non, je crois pas. Donc, par là, on peut pas. Je vais pas dépenser de l'énergie inutilement. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe ici, en fait. Je vais me reprendre un petit steak. Et on va aller voir ce qui se passe. Alors, la vidéo sera peut-être un chouïa longue, mais c'est pas grave. C'est le début de l'aventure. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans ces débuts d'aventure. Alors là, il y a quelque chose. Ah, mais c'est nouveau, il me le fait en anglais, lui. Something is blocking the gate from the other side. I should find another way. Alors, je vous traduis. Quelque chose bloque la porte de l'autre côté. On doit trouver un nouveau passage, un nouveau chemin. Voilà. Pourquoi il me l'a foutu en anglais? Je pense qu'il y a eu un petit souci de traduction. Alors, est-ce qu'on peut passer? Alors, c'était la question. Est-ce que ça a un intérêt? Je vois qu'il y a un coffre derrière. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a un petit coffre à droite, un coffre qui a l'air sympathique, mais je ne sais absolument pas comment on y accède. À mon avis, ça va être de l'autre côté. Donc, on va aller. Continuer bah de l'autre côté finalement, hein, puisque finalement on était bien parti. J'espère qu'il va pas me faire tout le truc en anglais. Bon, je vous traduirai si besoin, hein, je suis pas le plus grand expert en langue anglaise, mais ah bah là on a un coffre. Ah, là je crois qu'il faut. Oui, il en peut plus. Allez, tu peux taper. Ah, des lanières de cuir, ça c'est intéressant. On va tout prendre, bien sûr l'inventaire est plein. Donc on va aller voir dans notre inventaire. Bon, on a beaucoup beaucoup de pierres en fait. Hein. On a beaucoup 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 de pierres. Moi j'ai vraiment envie de supprimer ce gourdin. Alors celui-là 55 à 104 de dégâts parce qu'on a déjà le 2 qui fait. Voilà, qui est plus rapide, vitesse d'attaque, durabilité 42. Je vais supprimer ce gourdin dont j'en ai pas besoin pour l'instant. Ouais, je confirme la suppression de ce petit gourdin niveau 2. On a déjà 3. On a niveau 1, on a 3 gourdins niveau 2. Je vois vraiment pas l'intérêt. Et je vais prendre à la place le cuir. Alors, est-ce qu'on continue? Ouais, pas mal ça. On a quand même réussi à choper. Voilà, encore des petits champipis, j'ai l'impression. J'essaye de passer, de filouter, mais. Sais pas si on va arriver suffisamment loin. Non, il n'en peut plus. Je vous garde, hein. Je vous garde pour aller explorer cette grotte. J'adore les. Oh là, ça c'est un très très gros rocher et je pense qu'à mon avis, derrière ça. Pourquoi il y a un inventaire plein? Ah oui, parce que bah oui. Parce que normalement, il devrait prendre de la pierre. La pierre, ils sont bien mignons, mais. Ah, on est obligé de le prendre ou quoi? Est-ce qu'on est obligé de prendre ça? Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer, je pense, des éclats de pierre. Attendez. Ben ouais, je suis obligé. Hein, je suis obligé. Pour l'instant, je vais supprimer. Alors, attendez. Non, je vais faire autre chose. Est-ce qu'on peut pas mettre? Non. Non, on peut pas mettre. Ok. Bon, on va supprimer de la pierre.
Oui, 13 éclats de pierre, on en a largement assez. Allez. Pourquoi il me dit que l'inventaire est plein? Pourquoi il veut pas? Alors, il y a un truc qui va pas parce qu'il me dit que l'inventaire est plein. Bah oui, mais... Comment ça, l'inventaire est plein? Non, l'inventaire n'est pas plein, j'ai une place. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Quelque chose qui m'échappe, ça c'est les objets de quête. A priori, je n'arrive plus à avancer. Alors, faites voir si je tape sur un autre truc. Ah, celui-là ça passe. Ah non, celui-là ça passe. Donc c'est étonnant, on va essayer de retaper maintenant. Je pense que tout simplement, peut-être qu'il faut... Il faut faire autre chose dans l'aventure. Avant de revenir ici, on a peut-être été, j'ai peut-être été un tout petit peu plus rapide. Oh, j'ai pris un peu d'endurance. Je ne sais pas pourquoi. On va aller... je vais quand même aller voir si je peux débloquer un petit truc par ici. On ne sait jamais. Ok, bah là on peut pas. On peut pas alors. Là on peut pas le casser non plus. Bon, écoutez, pour l'instant, les très très gros, j'ai l'impression qu'on peut pas. Bah si, celui-là je peux. Celui-là je peux, mais bon. Écoutez, je ne comprends pas tout. On va. Non. Ah, attendez, parce qu'il y a quelque chose. Ouais, non, là c'est pour réparer. C'est pour réparer la pioche. Alors peut-être qu'il nous faut une pioche un peu plus puissante. Ça, c'est possible par contre. Parce qu'on a une pioche level 1. Alors attendez. On a une pioche qui est que level 1, qui est niveau 1. Et ça, il faudrait peut-être l'améliorer. C'est 10 pièces niveau supérieur. Ok. Niveau 2. En fait, ça améliore juste sa durabilité, j'ai l'impression. Faites voir. Est-ce que... On va l'améliorer. On va la réparer quand même. Alors, maintenant qu'on est sur une pioche niveau 2, voilà, est-ce qu'on peut casser... Parce que c'est peut-être ça, en fait. Non. Il y a un truc que j'ai pas capté. Bon, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Cette vidéo fait maintenant 18 minutes. On va rentrer quand même. On va rentrer... Alors, c'est par où? C'est par là, la sortie. J'ai malheureusement pas réussi à visiter toute cette grotte. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà réussi. Puisque je vous ai présenté le jeu, que moi j'avance doucement. Hein, je fais ça doucement pour vous faire des vidéos et puis pour découvrir le jeu petit à petit. Je prends mon temps. Attendez, on va faire un truc. La quête, on va, hop, je vais activer le péage plutôt. Voilà, on va réactiver le péage, donc ça va nous donner là où il faut se rendre. Alors, maintenant, t'avais regardé, hop, on a délivré un personnage qui se met devant la marmite. Pourquoi il se met dans la marmite? Ah oui, et c'est vrai que je n'ai pas trouvé de viande. Alors peut-être qu'il faut avancer un petit peu. On peut faire des soupes aux champignons. Donc effectivement, il va falloir que j'améliore un petit peu tout ça. En attendant, donc il faut qu'on vende des objets à lui. Du coup, comment ça? Tu as sauvé l'un des nôtres, j'avoue me réjouir d'avoir un peu de compagnie. Il n'est jamais bon de dormir à la belle étoile, construit une demeure à Titus. C'est un bon chasseur, je suis certain qu'il serait ravi de nous aider.
Alors, ouais, mais là, il faut quand même aussi. Alors, il lui faut des planches et des billots de bois. Je pense que ça, c'est quand même super jouable. Planches et billots de bois, on va y aller. Alors, je vais fabriquer. Ah ouais, mais grave. Alors, attendez, attendez, attendez. L'inventaire est plein. Donc là, on a un gros problème. Ah ouais, mais l'inventaire est plein, on a trop de choses. On a trop de choses. Mais je suis obligé de virer les pierres. Hein. Je suis vraiment obligé de. Il nous faudrait un coffre. Alors, je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir un coffre pour ranger nos matériaux. Mais ben là, je vais être obligé de virer deux pierres, en fait. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Fais voir partager. Ah non, partager, c'est les diviser en deux. Ok. Ok, ben je confirme la suppression et je vais confirmer la suppression. Ah non, je vais pas. Si, je vais confirmer la suppression aussi. Tant pis. Je sais pas si je fais une bêtise. Peut-être vous allez me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'ai fait. Que j'ai pété de la pierre pour rien. Donc là, logiquement, les bio, j'en ai trois. Les planches, on va en fabriquer. Alors, j'ai pas trop capté si ça suffisait, mais on va essayer de vendre ça. Allez, on va vendre. Pour 24 pièces. D'accord. Donc on a vendu au marchand. Je pense qu'on a dû valider la quête. Voilà, quête terminée. Le péage 6 sur 6. Payer le péage. Est-ce qu'on va payer le péage? Oh, il y a des choses qui. Attendez. Un entrepôt. Oui! Oui, permet de stocker des objets. Ah, c'est ça qu'il faut. Voilà. Alors attendez, trouver des matériaux, il nous faut des planches. 3 sur 10. Bon, bah là, je vous dis tout de suite. Hein. Je vais faire de la planche. C'est exactement ce que je disais. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas perdre. Voilà, il nous fallait absolument. Je crois qu'il faut que je le fasse deux fois. Il va encore m'en falloir. Ouais, on va fabriquer, c'est pas grave. On va faire ça, on va aller payer le péage. Attendez, comme ça je vais mettre ma pierre là-dedans. Ah oui, je construis, mais bien sûr que je construis. Ah, quand même. Alors, voilà. Ajouter des emplacements en améliorant l'entrepôt. Mais déjà, voilà, on va pouvoir mettre nos pièces. On va pouvoir mettre. Je vais mettre ça, je vais mettre les ceintures, je sais pas à quoi ça sert, ça. Je vais mettre ça pour. Vous avez dépensé 50 gemmes. Non, 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 non. Je vais pas dépenser 50 gemmes. Je vais mettre les pots. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, on a déjà. Voilà, ça nous laisse pas mal de choses. On va aller payer le péage. Immédiatement. Ça va nous faire une très longue vidéo, mais c'est pas grave. On progresse dans le jeu, ça fait vraiment plaisir. De toute façon, les premières vidéos vont, je pense, être quand même toutes un petit peu longuettes, mais ça fait. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je sauve un petit garçon là qui est bloqué dans les pierres par un éboulement ou je ne sais quoi. On va aller. Je crois que c'est là. Alors, sac pour l'invention, put, ça veut dire maître. Je t'ai apporté des deniers, il devrait y en avoir assez pour acheter une petite maison dans une lointaine province et pour vivre pendant quelques temps, ton père et toi. Je te remercie. Hélas, nous manquons de provisions. Notre chariot est brisé et mon père ignore tout de notre départ. Nous avions un accord et j'ai respecté ma part du marché. Et je te remercie, mais je contrôle pas tout. Très bien, je vais t'aider, mais je te jure devant Furina, la déesse de la vengeance, que tu n'as pas intérêt à me servir d'autres excuses après ça. Je vais commencer par le chariot. Non mais là, il commence à nous fatiguer. Hein. Une nouvelle demeure. Alors, construire une cabane de chasse, scander de la viande, construire une tente. Et lui, là? Il faut deux roues.
Bon, écoutez, je pense qu'on est à nouveau sur de nouvelles quêtes. Donc, on va se laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je continue les quêtes très 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 rapidement. Je reviens vers vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bye bye.